Bonsoir, bienvenue à ICP Roto. Je m'appelle Alfred Champagne et je suis la deuxième génération d'entrepreneurs. Mon père a fondé l'entreprise en 1971 et je l'ai reprise en 1987 après mes études que j'ai faites à Paris. Nous sommes installés en ZAC 2000 du Port depuis 1996, date à laquelle nous avions décidé de donner une dimension industrielle à cette activité. Après 16 ans d'activité, aujourd'hui, ICP Roto est le leader du marché de l'impression publicitaire et des magazines. Nous produisons actuellement 5000 tonnes de papier couché et 5000 tonnes de papier journal tous les ans sur un site qui emploie 39 salariés. L'usine que je vous présente aujourd'hui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours sur 365. Mon équipe et moi-même travaillons actuellement d'arrache-pied sur des investissements très importants dans le but d'anticiper les besoins futurs de nos clients. Parallèlement à cette activité d'imprimerie, j'ai eu la chance de passer un jour mon brevet de pilote d'hélicoptère et par ce biais-là, de toucher du doigt cette activité. En 1996, à cause de la crise du chikungunya, un opérateur hélicoptère métropolitain souhaitait un repreneur et m'a proposé de pérenniser l'activité. Je me suis donc attaché à réunir un pool d'actionnaires autour du dirigeant actuel pour que cette entreprise se développe de façon durable et nous avons eu le bonheur de pouvoir la recentrer sur l'activité de transport aérien qui a connu un très fort développement depuis ces années difficiles du chikungunya. L'an dernier, Corail Hélicoptère a transporté 22 000 touristes pour visiter les hauts de La Réunion. Et nous avons récemment lancé un programme d'investissement assez conséquent dans des appareils qui sont ultra silencieux. Aujourd'hui, Corail Hélicoptère a l'ambition de contribuer au développement touristique de La Réunion par la desserte des hauts, ainsi que le développement d'activités d'écotourisme. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble de mes associés, partenaires et collaborateurs de partager ce rêve avec moi.